Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai un truc à vous avouer, là je fais le malin sur Instagram avec mes accords majeur 7 et ma strat, mais fut un temps où je shreddais comme un porc sur une Ibanez RG420 et j'avais les cheveux à peu près jusque là, donc oui, fut un temps où j'étais un gros métalleux. Alors le métal, comme pas mal d'autres genres, hein, c'est un style qui compte des dizaines voire des centaines de sous-genres aussi variés qu'inattendus. Faire le jeu du pipi, et ça on peut pas faire le jeu du pipi, n'est-ce pas? Et même si on a souvent l'image du truc satanique avec des rumeurs complètement débiles en mode « Oui, Marilyn Manson, il a mis une chèvre dans sa grosse caisse et il s'est fait enlever des cotes pour ce... » Non mais sérieux, vous les connaissez aussi ces rumeurs, non? Je sais pas qui c'est qui les a inventées quand on était au collège, mais incroyable quoi. Et malgré ça, franchement, la communauté métal, globalement, je parle pas pour tout le monde, hein, mais globalement, tout le monde est super gentil et à chaque fois que j'ai fait des concerts de métal, l'ambiance était vraiment top. Et évidemment, le type de métal que j'écoutais quand j'étais au collège, voire début lycée, c'était pas un métal de niche, hein, c'était évidemment du métal plutôt classique, j'étais pas dans le doom éternel dark metal. Et je pense que quand on est guitariste, c'est très bien de démarrer avec ce style là parce que ça permet de développer très rapidement une super base technique, notamment avec tous les shredders qu'il y a dans le style. Alors quand je parle de shredder, c'est juste un mec qui joue beaucoup de notes très vite. Mais après c'est à double tranchant parce qu'on a vite fait de s'enfermer dans ce style là et de pas se rendre compte que ce qu'on joue en fait ça gave juste tout le monde. Donc voilà, le metal et le shred c'est top, mais il faut quand même essayer de faire passer toujours en priorité la musicalité. Et c'est pas Herman Lee qui va dire le contraire. Bref, c'est parti pour le top 4 de mes guitaristes préférés quand j'étais au collège. Alors on va attaquer avec deux légendes. Kirk Hammett et James Hetfield, alors oui ils sont deux, mais on va dire que ça compte que pour un vu que c'est Metallica, voilà, vous comprendrez. Évidemment c'est pas très original de citer Metallica, mais je me voyais vraiment pas faire un top sans en parler. Alors Metallica c'est juste une usine à riffs de malade, c'est incroyable le nombre de riffs légendaires qu'ils ont pondus. Et alors je sais qu'il y a pas mal de mecs qui critiquent Kirk Hammett, et pour tout avouer j'en fais un peu partie, je suis pas un gros fan de sa manière de jouer, je préfère franchement celle de James Hetfield. Après si on aime les plans un peu crades et la wah-wah, il joue bien. Hein. J'en rajoute, hein, y a beaucoup de solos dans Metallica qui sont excellents. Mais pour en revenir à James Hetfield, il a vraiment une main droite incroyable. Pour ceux qui ne sauraient pas sa spécificité, c'est que bah, la plupart des riffs de Metallica, ils sont joués à la main droite avec des coups vers le bas. Et peu importe la vitesse, même sur des morceaux comme Master of Puppets que j'ai joué juste avant, il joue toujours tout vers le bas. Et s'il fait ça, c'est pas juste pour se rajouter une difficulté, c'est parce que ça va rajouter dans le son vraiment une attaque très très puissante et ça va faire que toutes les notes vont être exactement à la même intensité quand vous allez jouer dans le même sens. C'est pour ça que sur la plupart des gros riffs de Metallica, on a vraiment cette dynamique très droite et très puissante. Et les rares fois où il va jouer des coups vers le haut à la main droite, ça va être pour ajouter un peu de nuance rythmique. Donc en fait, par exemple, on va avoir un riff assez régulier, donc là c'est que des coups vers le bas. Et là, si je joue un coup en remontant, voilà, ça vous avez déjà dû l'entendre dans plein de riffs. C'est vraiment une des recettes de James Hetfield quand il compose, et c'est vraiment un truc assez intéressant à travailler parce qu'on a toujours tendance évidemment à vouloir optimiser son jeu à la main droite en faisant des allers-retours, mais parfois c'est quand même assez intéressant de tout faire dans le même sens pour une question de son. Et vu qu'on parle de rythmique, je vais enchaîner avec le deuxième guitariste qui pour moi est vraiment le boss du metal game en termes de rythmique. On va parler évidemment de Dimebag Darrell de Pantera. Alors pour le coup, quand j'étais au collège, j'écoutais pas beaucoup de Pantera, tout simplement parce que j'étais con. Et je me suis vraiment penché sur le groupe qu'un peu plus tard. Mais vraiment, le placement rythmique de Pantera, c'est juste la folie. C'est vraiment sa manière de gérer le tempo. Sur la plupart des gros morceaux de Pantera, ils sont à ce qu'on appelle un espèce de mid-tempo. Donc c'est un tempo qui est ni vraiment lent, ni vraiment rapide. C'est entre les deux. On va dire que ça oscille globalement entre 110 BPM et 130 BPM. Et c'est un tempo qui est assez lent pour conserver énormément de lourdeur dans les riffs, mais qui est assez rapide pour avoir une sorte de groove qui s'installe. Et en plus de ça, les albums de Pantera sonnent vraiment ultra bien. Si vous vous intéressez un petit peu à l'aspect production musicale, déjà il y a le fait que Dimebag, il utilise des amplis à transistor et pas à lampe. Alors même si globalement, je préfère quand même les amplis à lampe, et les amplis à lampe, ils ont plus de corps, le fait justement d'utiliser un ampli à transistor,
ça lui permet de garder de la précision dans le mix, même avec énormément de distorsion. Parmi tous les groupes de ces années-là, je trouve qu'ils sont vraiment dans le très haut du panier en termes de son, et par exemple, juste avant, on parlait de Metallica. Personnellement, je trouve que beaucoup d'albums de Metallica sonnent vraiment pas terribles. C'est même pas la peine de revenir sur le mix de Injustice for All, maintenant de nos jours on le sortirait même pas en tant que démo. Alors que les albums de Pantera, le son est toujours au top. Évidemment, si vous avez l'habitude de mix de metal plus moderne, en mode Animals as Leaders et tout, c'est pas du tout le même type de son, mais quand même ça reste toujours aussi puissant. Et du coup, pour en revenir à Dimebag, ce qui est intéressant si vous bossez du Pantera, c'est justement de bien focaliser sur l'aspect rythmique, et cet aspect de jouer vraiment au fond du temps. Si jamais vous avez tendance à presser un petit peu quand vous jouez, bosser du Pantera, c'est un excellent moyen justement de se retenir et d'essayer de jouer le plus en arrière possible. Ensuite, troisième guitariste, ou plutôt troisième groupe de guitaristes. On va parler de Adrian Smith, Janick Jarre et Dave Murray de Iron Maiden, évidemment. Et ce qui est assez fou avec Iron Maiden, c'est que justement, ils arrivent presque toujours à avoir trois guitaristes qui jouent en même temps, et c'est jamais le bordel. Parce qu'évidemment, avoir trois musiciens qui jouent du même instrument au sein d'un groupe, c'est le meilleur moyen d'avoir des problèmes de mix et des problèmes de répartition des parties. Donc eux, ils ont une stratégie assez simple pour contrer ça, et ça peut vous servir même si vous faites pas forcément partie d'un groupe de metal. Si vous partagez la scène avec un instrument qui a la même tessiture que vous, alors si vous êtes guitariste, ça peut être un autre guitariste, mais ça peut aussi être un clavier par exemple. Il faut vraiment prendre ça en compte pour pas clasher au niveau du son. Réfléchissez avant à la manière dont vous allez vous compléter. Dans Iron Maiden, en gros, on a deux cas de figure. On a soit le premier cas de figure où il y a deux guitaristes qui jouent exactement la même rythmique, et ça encore une fois c'est une astuce pour faire sonner un mix plus gros et plus épais. Si vous faites du métal, il y a un truc qui se fait beaucoup en termes de mixage, c'est d'enregistrer deux fois le même riff, et d'en mettre un complètement à droite et l'autre complètement à gauche. De faire ça, ça va apporter énormément de puissance au morceau. Donc il y a ce premier cas de figure où il y a deux guitaristes qui jouent la même chose dans live, ça leur permet de conserver toute la puissance qu'ils ont sur les albums enregistrés. Et pendant ce temps-là, il y a l'autre guitariste qui va soit faire un solo si c'est le moment du solo, soit faire une petite mélodie qui va venir compléter la ligne de chant par exemple. Et le deuxième cas de figure, c'est quand ils vont vouloir vraiment mettre en avant le côté solo ou le côté mélodie, il y a un guitariste qui va passer à la rythmique, il y en a un second qui va faire son solo ou sa ligne mélodique qui est prévue en avance, et le troisième, il va venir harmoniser cette ligne mélodique. Alors harmoniser, ça veut dire qu'on va jouer exactement la même mélodie, mais un peu plus aiguë, donc par exemple, on peut jouer à la tierce, et ça va venir compléter et donner une couleur très particulière à ce qu'on joue. Et évidemment, en plus de ça, je sais que si je parle pas de Steve Harris, il y a tous les bassistes qui vont m'insulter, mais voilà, Steve Harris, c'est le bassiste d'Iron Maiden, et il a une manière très particulière de composer ses lignes de basse, c'est très riffesque, je sais pas si ça se dit, mais voilà, il se contente pas de juste jouer des toniques en double croche, il va vraiment composer des mélodies assez complexes, et si jamais vous êtes bassiste, je vous conseille vraiment de vous intéresser à son jeu, c'est super intéressant. Et enfin, je vais terminer avec celui auquel j'ai volé le plus de plans et de techniques. Donc Paul Gilbert, c'est le premier guitariste qui m'a vraiment fait me dire qu'il était temps que j'apprenne à jouer un minimum propre. Parce que voilà, comme on disait juste avant avec Kirk Hammett, il y a beaucoup de guitaristes dans ce style-là qui vont plutôt privilégier la puissance et l'énergie à la précision. Et en termes de précision de jeu, Paul Gilbert, c'est vraiment incroyable. Et le plus fou, c'est que même en étant extrêmement précis et extrêmement rapide, il arrive toujours à garder une âme dans ce qu'il fait. C'est vraiment pas un Angelo Bassio qui va casser les couilles à tout le monde au bout de 4 notes. Je pense que ça vient en grande partie du fait qu'il a une énorme influence blues dans ce qu'il fait, notamment au niveau de ses bends et de tous ses plans en penta, et il y a des dizaines de trucs super intéressants, de pistes de travail à relever dans ce qu'il fait. Parfois par exemple, ça lui arrive de monter des gammes en se concentrant que sur deux cordes, et ça c'est un truc que je faisais pas du tout avant de le découvrir avec lui.
Les vrais reconnaîtront, c'était ce plan dont je m'étais servi il y a longtemps pour mesurer ma progression sur une semaine. Et globalement, il a lui aussi une manière de gérer sa main droite et ses attaques qui est assez particulière. Et si jamais vous recherchez à aller un peu plus loin au niveau de la rapidité et voilà, gagner un peu en technique à la main droite, vraiment, allez voir ce qu'il fait. En plus de ça, c'est un super pédagogue. Donc si vous parlez anglais, je vous conseille de vous taper toutes ses vidéos sur YouTube et vous allez apprendre vraiment énormément de choses. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de revenir sur tous ces groupes, ça faisait super longtemps que j'avais plus joué avec autant de gains, donc c'est vrai que j'étais un peu rouillé, hein, excusez-moi si j'ai un peu écorché les riffs. N'hésitez pas à me donner vous vos influences que vous aviez à l'époque. Alors je pense que pour ceux qui écoutaient du métal, on va en avoir certains en commun, et évidemment moi j'ai pas tout mis, sinon il y aurait une liste de 100 groupes. Mais voilà, je pense qu'il faut pas renier ses origines musicales entre guillemets, surtout quand c'est des groupes de ce style-là qui m'ont permis, dans mon cas, de gagner vraiment énormément en technique et aussi en musicalité, mine de rien. Et puis ça permet aussi de voir qu'en tant que musicien, il faut pas être cloisonné, il faut vraiment être ouvert à tous les styles parce qu'on peut retirer quelque chose de tous les genres. Donc j'attends vos commentaires à ce sujet et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !